Les fonctionnaires grecs ne veulent pas des nouvelles mesures d'austérité exigées par la zone euro. Ils le font savoir ce mercredi dans les rues d'Athènes. Beaucoup d'entre eux sont en grève pour dénoncer l'accord conclu à Bruxelles. Ils appellent les parlementaires à voter contre les réformes qui, estiment-ils, ne font qu'asphyxier la population. C'est le début d'un nouveau combat, un combat difficile contre ce nouveau plan de sauvetage. On va se battre comme on l'a fait au cours des 5 dernières années. L'Union européenne est une blague. Les plans d'aide vont durer toute notre vie. Nous devrions prendre notre destin en main et quitter l'Union européenne, qui ne fait qu'étrangler le peuple. Conséquence de cette grève, les transports en commun, notamment le métro d'Athènes, sont perturbés aujourd'hui. La grève touche également les trains, les hôpitaux et les collectivités locales. Il s'agit de la première grève du secteur public depuis l'arrivée au pouvoir de la gauche radicale.